Bien, salut à tous et à toutes, c'est MonkeyDiTony et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux top 10 bump. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bump, c'est en fait un jump à l'aide d'un élément de GTA V. Donc comme par exemple quand on fait un whelp juste avant un trottoir, ça te fait bumper, ou alors quand on saute sur une ambulance et qu'on ressaute, en fait ça s'appelle un bump. Donc voilà, je vous invite à regarder le top 10 jusqu'à la fin pour savoir le thème du prochain top 10. Et donc on se retrouve pour la 10e place. En 10e place, on se retrouve du coup avec Tetris qui a fait un bump sur cet avion pour faire un trade sous ce panneau. Donc voilà, c'était assez joli, bien joué à toi. En 9e place, nous avons Elki qui va faire un bump sur cette ambulance pour faire un new slide sur la roue avant. C'était assez clean, bien joué à toi. En 8e place, on se retrouve avec Snake qui va prendre de l'élan. Il va sauter pour faire un bump sur ce mur et faire un hipster slide. Bien joué à toi, c'était assez clean. En 7e place, voici Noxus Gaming qui va prendre un peu d'élan pour faire un bump sur ce spot assez connu. Qui va faire un new slide, faire un sort de wall ride et refaire un new slide. Bien joué à toi, c'était assez beau. En 6e place, on se retrouve avec Real Kenny qui va bumper sur cette ambulance, faire un 3-6 et retomber en hipster slide. C'était assez magnifique, bien joué à toi. En 5e place, voici Nitrox qui va prendre beaucoup d'élan sur ses rails, on va dire. Et là, il va sauter pour faire un bump sur ce train et ratterrir sur ce château d'eau, je dirais. Donc c'était à la fois clean et à la fois original, donc bien joué à toi, tu mérites ta 5e place. En 4e place, voici Planix HD. Donc là, c'est quand même un stunt très précis. Il va bumper sur cette Zentorno pour atterrir, voilà, sur cette grue. C'était franchement très précis. Bien joué à toi, tu mérites ta 4e place. Pour la médaille de bronze, on se retrouve avec Plex qui va faire un stunt sur un spot qu'on n'a pas l'habitude de voir, je dirais. Donc c'est voilà le chantier naval, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Il va faire un stun sur ce spot, donc c'est déjà très original. Il va bumper sur cette Hydra pour faire un treat sur ce mini truc, on va dire. C'était assez précis, bien joué à toi. Pour la médaille d'argent, on se retrouve avec Gotenks, donc un clip qui a déjà été fait, mais je connais la difficulté. Il va faire un new slide et faire switcher en handle, en fait. Donc c'était franchement magnifique. Je sais qu'il est compliqué ce stunt, enfin il est pas forcément compliqué, mais à être aussi clean c'est quand même assez compliqué. Donc bien joué pour ta 2e position. Et pour la médaille d'or, on se retrouve avec Dada9x9 en full HD. Voilà, il va faire vraiment un stunt très original. Il va faire tout d'abord un topis, un autre topis, puis un autre topis. Et voilà, il va en faire 4. Et le 5e, il va bumper sur cette moto pour être tellement précis sur ce bâtiment. Je vous remonte en ralenti. C'est franchement très original. Voilà, en plus, il faut quand même une certaine précision. Et puis, cette idée n'a jamais été faite. Donc, bien joué à toi, Dada. Tu mérites ta première place. Voilà, c'est déjà la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter, voir si je me suis un peu trompé sur les places. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Donc, vous pouvez mettre votre avis dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, je vous annonce le thème du prochain top 10. Donc, ça sera un top 10. Nouveau jump, on va dire. Je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas comment l'appeler, mais je m'exprime en fait. Ce que j'entends par nouveau jump, en fait, c'est quand on va pour faire un sorte de new slide, mais en fait on saute au dernier moment et ça nous fait comme un big jump.
Donc voilà, je vous montre un petit extrait maintenant. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. Donc voilà, c'était un stunt de Obrox qui m'a autorisé à prendre pour vous montrer le thème du prochain top 10 justement. Et donc, si vous le connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, je peux toujours vous inviter à aller voir sa chaîne. Il fait vraiment des montages magnifiques. Et donc, voilà, si vous avez un de ses clips, vous pouvez me l'envoyer, car je sais que voilà, c'est quand même un stunt qui est assez compliqué. Donc, à la rigueur, je ferai un top 5. Voilà, et puis ben moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis ciao tout le monde.